Les étoiles du commerce édition 2019. Nous allons à la rencontre de tous les candidats de cette nouvelle édition qui approche. Hein. Les résultats vont tomber dans quelques jours. Et je rejoins Anna P. Delaborde qui est la créatrice de cette échoppe. Alors c'est marrant, quand on est à Bordeaux, quand on est une maison, on dit une échoppe. Quand on est au bord de la Garonne, on dit le port de la Lune. Exactement. Ça s'appelle l'échoppe de la Lune. Exactement. Une échoppe qui est aussi un petit commerce. C'est un petit commerce. On va marcher avec vous, Anna. Mais avec grand plaisir. Tout a été imaginé il y a 2 ans et demi ici à Bordeaux, mais en fait, tout est né dans le Médoc. Exactement. En fait, j'ai commencé tout début à Margaux dans le Médoc pour tester le concept. D'accord. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup appuyée par une grande partie de clientèle locale, mais aussi les touristes qui venaient sur Margaux et qui, du coup, m'ont convaincue d'étendre le concept à Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on raconte l'histoire du port de la Lune, et quoi de mieux que ce port de la Lune pour y raconter son histoire. Et quelle histoire! Quand on se promène dans votre magasin, il y a tous les aliments, tous les produits qui ont bercé l'histoire de Bordeaux et de sa région depuis le 18e siècle. Et l'enfance des Bordelais. Depuis le 18e, c'est ça? Exactement. Nous, l'idée, c'est de raconter l'histoire de Bordeaux sans langue de bois. On parle de l'esclavage qu'il y avait à Bordeaux, on parle de tout le sucre qui était importé sur le port de Bordeaux et comment cette ville, grâce à son port et au commerce du port, a réussi à grandir et à être la belle ville que nous avons aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est qu'on réalise, Anna, on est très très gâtés dans la région bordelaise. Oui. Et puis on est là aussi pour faire un lieu de partage, un lieu d'échange transgénérationnel. Elle en a, Anna, des histoires à raconter à son bébé. Et puis à tous les clients qui viennent surtout. Merci, Anna. Merci à vous.